Et bonjour à tous. Alors, ceux qui arrivent maintenant sur la chaîne YouTube et qui voient cette vidéo, sachez que c'est un live, la rediffusion d'un live qui va servir un peu d'introduction de game. Donc, si vous me voyez répondre à des gens, prendre mon temps, c'est parce que je suis en live. C'est un petit truc un peu chill, un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, vidéo quali, bien coupé. Là, il n'y aura rien de coupé. Puisqu'on sera live. Donc voilà. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va jouer le compte de Béarn, mon meilleur ami. Just advertise la chaîne. Ici. On va tenter de faire une vidéo d'1 heure. Donc voilà, et si vous me voyez répondre, c'est que je suis en train de répondre tout simplement au chat. Ah oui, alors, attendez, j'ai un night cart, on va l'enlever tout de suite. Et donc, nous y voici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste. Voilà, comme ça, je vois bien le chat. J'espère que tout est en place. Et donc, moi, ce que je joue en ce moment, c'est le compte de Béarn uniquement. Donc, bon, le compte qui est ici, il a des traits aléatoires. Alors ceux qui connaissent, bah, ceux qui me découvrent ou qui regardent des vidéos, qui veulent apprendre le jeu, etc. Ce genre de gameplay là, il est cool pour vous parce qu'il vous permet de. Enfin, ça vous montre comment je joue. Ça vous apprend des choses un peu sur le tas puisque vous me voyez sur le terrain. Donc vous n'avez pas seulement que les bons moments. Yo! Salut! Minou. Minouna. Donc vous ne voyez pas le chat. S'il y a une question dans le chat, ce que je ferai, c'est que je la lirai comme ça vous. Vous y aurez accès. Alors, il a des traits aléatoires. Par contre, il a toujours ces deux-là d'employé économe. Et selon comment. Donc, c'est le comte de Béarn qui est ici à Pau. Hein. C'est le seul personnage que je joue en ce moment. Je trouve qu'il est vraiment complet. Toutes sortes de gameplay qui est possible avec. Percepteur et renier sur l'écho. Alors, généralement, c'est dans ces deux branches-là. Mais quand il chope les deux traits ici, bah, c'est bon, vous pouvez faire autre chose. Pour l'instant, on va le prendre parce qu'on cherche obligation en or. Et c'est mon domaine. On va prendre le 10% de revenus mensuels. Et on va le marier tout de suite. Alors, généralement, ce que je fais, en fait, ce que je prépare, moi, je l'annonce dans cette vidéo. Du coup, je ne ferai pas d'annonce de vidéo pour l'annoncer. Mais en fait, ce que j'aimerais faire, c'est un speedrun, style speedrun, mais pas avec du temps. Alors attendez, c'est bien lumineux. Et c'est parce que mon écran est pas assez sombre. Ça devrait être bon. Ouais, c'est hyper lumineux quand je suis sur le jeu. Donc je vais essayer de vous régler ça en bombe. Histoire que ce soit pas infect pour vous. Je pense que ce serait ça qu'il faudrait réduire. C'est pas du tout ça. C'est peut-être ça. Ce serait peut-être légèrement mieux. Non, c'est horrible. C'est absolument horrible. Excusez-moi. Là, je commence à me lasser vraiment fortement du comment ça s'appelle, du fond vert. Mais bref, on n'a pas trop le choix. Hein. Ça fait bien plus quali. Ouais, ça fait très lumineux quand je suis en jeu. Je sais pas pourquoi. Bon, bah tant pis. Vous aurez la lumière du Christ. Ah, à moins que j'enlève mon t-shirt. Attendez, on peut faire ça. Peut-être que c'est un t-shirt moins blanc. 1 minute. C'est les réglages d'avant vidéo normalement que je fais. Vous avez pas sur les lives parce que c'est du. Voilà, c'est du direct. Je vais remettre ma caméra. Hop. T'es dieu. Non, je suis un dieu si tu veux. Alors. Et donc en fait, mon speedrun que je voulais faire, c'était. Et bah, on commence avec le comte de Béarn, et le plus rapidement dans la game, ce qu'on essaye de faire, c'est devenir l'empereur de France. Donc, ça serait ce titre-là. Et le premier joueur qui le fait dans le temps, bah. Ah, mais c'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil. Je pense qu'il est. C'est cet écran-là qui est trop lumineux. Du coup, il fait trop de lumière. Bon, bref, c'est pas grave. Vous ferez avec un. Hein. Quand je clique sur le jeu, pan, ça devient hyper lumineux. La lumière viendrait de ce côté-là. C'est très bizarre. Je vais essayer de reculer son verre. Ou le rapprocher peut-être. Ouais, bref. Et donc, ce serait le premier empereur de France. Et donc tous les moyens seraient bons pour y arriver. Il vous faudra juste 80%.
Donc 94 comptés sous votre juridiction, 1000 d'or. Et voilà, ce serait le premier joueur qui y arrive, mais pas en vitesse réelle, en vitesse dans le jeu. Donc ce serait assez intéressant avec un départ en 1070. Donc on va essayer de le marier. Là, ce que je vais essayer, c'est un total des aptitudes. Alors c'est souvent elle qui pop dans vos games. D'ailleurs, en fait, si vous regardez, on se marie très souvent avec elle. De façon générale. Elle est en 861, elle est souvent proposée quand vous êtes total des aptitudes. Pourquoi? Bah parce qu'elle est vigoureuse, elle a une bonne. La fin intellectuelle est bonne. Bon, là, elle a sadique, on a de la chance, c'est encore mieux. On va lui demander d'élever nos enfants. Où on a elle qui est intelligente. On va se marier avec une intelligente, ça serait pas mal. Par contre, je perds 200 de légitimité. Hein. Ça, c'est dernier patch, c'est pas mal. On va juste récupérer. On va essayer. En fait, ce qu'il faudrait là, ça serait un. Waouh! 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 Ils font vomir. Hein. Ils font gerber. Alors, attendez, je vais juste répondre au message. Ouais, ils sont tous nuls. Là, on aurait lui qui serait bon en intrigue à la limite. Mais les autres sont vraiment nuls. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher des secrets en Île-de-France. Là, il faudrait un intendant, au moins un intendant. Ouais, non, mais c'est pareil, il me faudrait un intendant. Et donc, là, il vous suffit de trouver un intendant. Vous le mettez en matrilinéaire. Et vous cherchez un intendant, donc il y a de l'intendance. Mais ça sera un petit chevalier, mais tant pis. Ok, et maintenant on va chercher un en martialité. Et on a de la chance, on a des courtisans. Hop. Martialité, on a Henri qui a 22. C'est encore un petit chevalier, hein, mais c'est pas grave. Et un dernier, on va se trouver un chevalier cette fois. Non, totalité prouesse. Lui, il a 18, c'est pas horrible. Et ah, purée, il avait 21. En plus, ça pourrait pu être maréchal et en même temps, j'aurais pas dû chercher un. Donc là, j'ai tout. Ouais, on perd la légitimité parce qu'on se marre avec, on se marie avec n'importe qui. Ce qui est hyper important quand vous jouez le comte de Berne, à mon goût, la foi aux citanes est vraiment dégueu. Enfin, à la chevalerie, donc ça va être trop mal. Mais vous n'êtes pas le chef de dynastie. Par contre, vous pouvez tenter de choper Basque qui a amitié ritualisée et cérémonie de mariage. Donc c'est complètement dingue. Chef de foi, c'est lui. Il faudrait devenir plus gros que lui avant qu'il rajoute une tradition. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va assassiner lui. Ah, attendez, on va le faire en deux temps. On va faire modifier le contrat vassalique. On va augmenter, non, l'élever. Et on va demander les droits. Ok. Ensuite, là, je suis intendant. Donc, c'est parfait. Si vous n'êtes pas intendant, faut vous faire mettre intendant. On peut créer une distinction. Alors, ça, c'est pété. Ok, j'en ai pas à nommer. Et en plus, est-ce que je peux me convertir localement là? Adopter. Non. Adopter la culture. Ah oui, il me faut 375. Donc c'est parti, on peut jouer. Ah oui, l'assassinat. Il faut impérativement le passer, je pense, 95%. Excellent. Donc là, on récupère nos chevaliers, nos intendants, etc. Donc on peut mettre lui. Je vais lui mettre à développer ma capitale. On prend le prestige ou l'étude? Non, on va prendre le prestige et tout de suite. Tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est. Décision, adopter la culture locale. Je vais être ben instant. Hop. Merci. Et donc,
Une fois qu'on a adopté, on peut faire des amitiés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une amitié instantanée avec Pierre. Ah, what? Attendez, je viens pas de le faire là. Si, je vais changer, non? Ouais, je suis basse. Pourquoi je peux pas? Attendez, il faut peut-être une seconde. Peut-être passer un mois. Voilà, nouer une amitié, 46%, mais ça va augmenter. On peut pas faire de grands tournois. Et ce que j'aime bien faire. Ah, je joue pas le. Là, je suis pas dans le cas où je joue le. Comment ça s'appelle le. Pas le speedrun. Si je jouais le speedrun, je l'aurais différemment. Je joue vraiment pour m'amuser. Ils sont dangereux ces voyages. On gagne lui. Ok, c'est pas trop mal. Par contre, j'ai pas changé de. Ouais, j'ai plutôt, je t'ai pas changé. Attends, bouge pas. Et à ce stade-là, tu peux. Hop. Mais ouais, il y aura la rediff dispo sur le du live. Normalement, de base. Ah, attendez, ça c'est intéressant. Est-ce qu'elle y est? Attendez 2 secondes que je vérifie ça. Parce qu'en fait, je comptais un peu là-dessus pour le pour l'avoir. Ah, mais en plus, je suis pas dans le bon jeu sur Twitch. Je suis désolé. Oula, c'est une catastrophe. 1 seconde. Crusader King 3. Et compte de barre de. Hop. Je modifie juste ça. Je vois que je suis pas dans le bon. Salut à toi, Nathan. Normalement, la rediff, elle y est. Attendez, je vais juste checker qu'elle y est bien. Chaîne. Normalement, c'est ici, non? Oh là là, ça pourrait me prendre une demi-heure pour y trouver. Non, attendez, c'est dans contenu. Ouais, apparemment, il est en train de le créer. 9 avril, c'est aujourd'hui. Ouais, normalement, il est en train de la créer. Donc, normalement, elle y est. Il faudrait que je vérifie. Rediff. Twitch, parce que c'est très important, en fait. Twitch. Rediff Twitch configuration. On va juste taper ça sur le net. Il y a une petite vidéo de 37 secondes, on va Par y défaut. arriver. Et tableau de bord des créateurs, ok. Une fois qu'on y est, on va dans paramètres, flux, et c'est en bas. Donc. Ok. Attendez, paramètres, c'était dans. C'était paramètres et flux. Ouais, c'est streaming maintenant. Ouais, voilà. Elles y sont bien, ok? Donc, aucun souci là-dessus. Elle sera sur Twitch au début. Elle sera sur Twitch au début, mais je pense honnêtement la mettre sur mon. Alors, excusez-moi, hein, j'ai un cache. J'enlève. Et elle sera sur. Elle sera sur. Sur YouTube aussi. Je sais pas si je la mets sur la chaîne principale ou la seconde, mais dans tous les cas, elle y sera. Là, cette lumière, décidément, c'est horrible. Je suis désolé, ça fait hyper lumineux pour vous. J'ignore totalement, c'est peut-être ma caméra hein, qui fait trop de lumière. Faut essayer de modifier ça, je pense. Rapidement, ouais, je baisse un peu la luminosité, ça fera peut-être moins agressif pour vous. Là, ça me fait que je suis sombre et là, je suis un peu moins sombre, un peu moins lumineux. J'ignore ce qui fait qu'il y a autant de lumière. Mais bon, je pense que c'est regardable quand même. Vous me dites si c'est horrible. Donc voilà, là, je fais un gros voyage pour la France. Généralement, je le fais pas dans mes games parce que je suis déjà mort plusieurs fois. Quand c'est trop vieux comme ça, vous le prenez pas. On gagne 15% de vitesse en plus. Alors ça, vous laissez toujours manger quelqu'un d'autre. Je les connais par cœur un peu, c'est pour ça que je les passe. Hein. Gagne un peu de prestige. Et là, on peut attaquer à lui en fait d'entrée de jeu. Alors, je suis dans une activité, donc je peux pas. Alors là, vous avez une chance de le récupérer. Et c'est bien en fait, ça vous fait récupérer des personnages. Oui, je récupère. Bon, ça reste un chevalier à 8, mais il pourrait faire de l'intrigue. Et puis on pourrait le marier avec une femme, etc. Ça, vous le laissez passer. Ouais, ça peut être pas mal. Oh, bah j'ai gagné ça. Enfin, je vais vous montrer pourquoi les bibelots sont importants.
Ouais, ça fait un voyage qui est assez intéressant en soi. Hein. Ouais, il a été annulé. Ok, il est parti en guerre en fait. Alors ça, c'est complètement pété. Parce que chevalerie, je vais sans doute le rajouter. Elle me coûterait 1000 de moins. Par contre, il faudrait que je devienne très rapidement chef de culture. 75 de prestige. Donc j'ai récupéré du prestige. Hein. Hop là, on est bien chez soi. Pour l'instant, je vais l'équiper. Il est un peu pourri, mais... Ah oui, je suis malade, non? Non. Et là, maintenant, on pourrait attaquer lui. Alors attendez, je vais juste stationner... Ah ouais, j'ai deux armées. Stationner celle-ci en premier. Et on va attaquer Armagnac. Alors en l'attaquant... C'est une des seules claims que vous avez. Ah, par contre, j'ai pas de quoi faire une alliance. C'est ça qui est aussi dur au début, vous voyez. Vous avez pas de famille. Vous pouvez pas faire d'alliance. Hey, Sébastofik, ça va? Longtemps que j'ai pas streamé. Je t'ai vu hier soir, c'était pas trop mal ce que tu faisais. Je suis resté silencieux parce que j'étais occupé, mais. Ok. 21%, ça reste faible, hein. Ce qu'on pourrait faire, c'est annuler les recherches et soutenir les complots. Alors, je sais pas si ça marche sur les négatifs. Ça, c'est pas mal. Il est à combien, là? 185. Ma caméra est super lumineuse, j'arrive pas à savoir pourquoi. C'est à la moindre idée. On chope Alvar. Alvar est un invité qui a quand même 20 de martialité, 13, ça fera un chevalier. Donc je gagne quand même pas mal de courtisans. Hein. Ouais, j'aime pas perdre des thunes là-dessus. Je pense que j'avais 95 sous d'arrêt, je suis descendu à 76. Du coup, même avec soutenir les complots, il est un peu faible. Mon maître espion avec 10 de plus, ce serait vraiment. Je pense qu'il serait complètement pété. C'est qu'un stream très court, hein, puisque je stream qu'une heure pour l'instant. Je restreamerai ce soir, je pense. Essayer de faire des épisodes. Donc 50, on obtient un comté, une cité, 15 ans de gloire. C'est toujours important. Regardez toujours ça. Hein, quand vous terminez une guerre, que vous la terminez dans un sens ou un autre. Ça vous permet d'avoir toutes les infos. Nickel, ça va me permettre de poser lui maintenant. Et là, ce qu'on fait tout de suite. Donc là, on est bien en développement sur Pau. Et là, on laisse passer un jour et on remonte ici à Armagnac. Le contrôle comtal. Alors, ce qui s'était passé dans ma dernière game, c'est qu'il y a eu une scission de la France en deux bouts. Donc une France du Nord et une France du Sud sans royaume. Et c'était assez intéressant. Putain, là, il y a une grosse, grosse peste bien dégueulasse. Une belle épidémie. Ah, oh, elle est que 1, ça va. Kakesang. Pénalité critique. Hey Gustaver, salut. Salut à toi. Le comte de Béarn, donc. Ah ouais, lui, il était que. C'est lui que j'aurais dû mettre en ami, en fait. Catholique, c'est très fort, hein. Il faut chercher de la foi, il faut monter. Je vais la réformer, je pense, un peu plus tard dans la game, mais. Ah, ça, c'est très intéressant. Alors les chasses, c'est complètement fort. Vous pouvez les stack up de votre côté ou rejoindre celle des autres ou faire les deux en même temps. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'abattre une bête soi-même. Même si c'est pas notre chasse. Si j'arrive à choper le trait, c'est très bien. Surtout que je l'ai pas financé. J'aurais pas tous les bonus, mais... Ou 46% de chance de choper un 35. Franchement, j'ai bien envie. Aucun souci, juste là. Profite bien, il y en aura d'autres. C'est 4-3, c'est un peu le jeu que je joue en ce moment, donc. Ouais, on fait pas les choix de ce qu'on chasse. Et ces petites vidéos gameplay là. Oh, il était nul de toute façon. On n'a même pas chopé le chasseur si on l'a. Nice. J'ai gagné 20 en plus de légitimité. 46 de prestige, le trait chasseur. Là, j'ai pas des traits trop durs, mais quand je suis appliqué, j'aime bien en plus. Ouais, il est vachement bien. J'ai trois de chasseurs là. Chasseur est bien. Il est bien au trait 1 et il est encore mieux au trait 2. Ça s'ajoute ce qu'il y a avant. Salut, Ella. Comment tu vas?
76%, j'espère que ça va passer. Yes, il est mort. Alors ça, c'est très important, même si ça vous met un secret. Donc du coup, maintenant, vous êtes sous le duc. Le duc d'Armagnac, c'est celui que vous venez de tuer. Par contre, ça me donne pas la renommée. Non, c'est lui qui l'a toujours. Si je le tue, c'est lui qui récupère. Il n'y a pas d'intérêt. Il faut d'abord qu'il fasse un enfant avant de le tuer. Et là, en fait, mon duc, il a qu'un seul comté. Donc en fait, il est très faible, hein. Il est aussi fort que moi, en gros. Et donc pareil, on va attendre qu'il fasse des enfants. Et il y a aucun souci à rester sous sa juridiction. Par contre, on va juste récupérer notre place au conseil et on va le prendre en attendant juste pour les thunes. Ce que je trouve assez fort. Et je suis bien là. Hein. Suffit d'être patient. Ouais, c'est cumulé assez de thunes. Ah mais oui, je sais ce qui se passe. Je suis désolé. En fait, ça me saoule. Il faut le remettre à chaque fois. Alors c'est un peu contraignant parce que on les a tous en haut. Je sais que ça énerve certains joueurs. Moi j'aime bien. Et en fait on va se lancer dans un premier pèlerinage. Les pèlerinages sont complètement fumés. Vous partez en fanatisme. Alors la première sera pas très très fort, mais les autres seront complètement ouf. C'est pas passé avec Pierre? Putain, c'est pas passé. Ah, c'était trop faible, 21%. Ok, on va tenter avec quelqu'un d'autre. Okay. Le mieux, ce serait. Je suis en train de percuter qu'on a toujours pas d'enfant en fait. Putain, je suis choqué que c'est pas passé. Généralement, ça passe assez bien. Qui c'est qui a un bon. Ah mais j'ai une idée. J'ai une idée. On va essayer de choper une clem comme ça en fait. Quelqu'un qui aurait une clem là-dessus en fait, sur le comté de Bigorre. Non mais j'ai une clem dessus. Après c'est les enfants donc je peux pas les freiner. Et sur le duché d'Armagnac, il y aurait lui potentiellement qui est un vagabond. Ah ouais mais le problème c'est que je suis pas duc. Donc si je pousse sa clem, je deviendrai pas duc. Je deviendrai pas duc à sa place. Non mais je crois qu'on va forcer. Non mais lui il est horrible. En plus je peux mettre un vassal, il est bien plus content. Alors, on va tenter sur le vassal. 64% c'est quand même bien mieux. Des amis c'est vraiment complètement fort. Et donc là ce qu'on cherche c'est à stack up de la piété. Ok elle est enceinte. Finali. En fait le but de. C'est ce que j'expliquais au début. Ok là on devient plus pieux. Je vais sans doute organiser des speedruns en jeu. Et le speedrun, ça sera jouer le compte de Béarn, qui est ici. Et. Oh merde, pas de chance. Et devenir empereur de France le plus vite possible. Le plus vite possible dans le temps, en fait. T'es pas obligé d'avoir tous les comtés de jure, mais dans le temps, ce que tu essaies de faire, c'est d'être l'empereur de France et d'avoir tout, donc tout débloqué. Merde, bâtard. Le souci de ça, c'est que. Ok, il a acheté de la merde. Non, quoi que ça va, ça? Ouais, non, c'est la merde. Et c'est celui qui, dans le temps, le fait plus vite. Par contre, le problème, c'est qu'il faut que je puisse vérifier, quoi. Ah ouais, alors on pourrait choper elle en amie et qu'elle se convertisse. Le problème, c'est que c'est une femme, elle a pas trop. Ouais. Prenez-le pas mal, mais. Elle peut pas. Je peux pas l'utiliser. Ah mais non, si on peut la faire rejoindre, donc du coup je peux la faire se marier. Ça c'est très bien. Oh non, mais j'ai tellement pas de chance. Mais j'ai tellement pas de chance, c'est incroyable. Bon bah du coup il me faut un mec qui a de la martialité. Incroyable. Lui il a combien? 29, absolument parfait. Ouais, sans modificateur compte de Berne. Le comte de Béarn qui est ici et donc en fait ouais celui donné par le jeu sans aucune modification tu joues et tu essaies de devenir empereur de France mais là je joue pas ça je joue pas vraiment ça en fait je joue
Là, je joue pour le plaisir, en fait. J'essaie pas, je fais pas un gameplay optimisé. Et en fait, tu sais, il y a pas mal de jeux qui sont, qui finissent par devenir des, et c'est ça que j'aime bien, qui finissent par devenir des speedruns et qui sont à la base pas des jeux de speedrun. Les gens se mettent un peu des comment ça s'appelle? Des challenges difficiles. Et ça, putain, mais c'est dingue. Et c'est assez difficile et ça devient de plus en plus difficile et tout. Et je pense que si on se met tous cette règle de on joue ce personnage sans aucun modificateur, sans tricher, on essaie de devenir le pro de France, on va découvrir des stratégies, se les partager, etc. Et puis il y aura en plus un peu comme dans tout de chances qui se mettront au milieu, quoi. Genre, l'autre fois, je suis mort d'une maladie. Tu vois, lui, il essaie de me révoquer mon titre. Du coup, je rentre en guerre contre lui. Je vais me faire broyer, non, si je me trompe pas. Non, si j'arrive à... Il a une alliance, mais il est fou, non? Ouais, il est fou. Il est complètement fou. Ah, super, j'avais pas mis en pause. Ça, on le fait. Ce qu'on cherche, là, ce qu'on cherche vraiment, c'est à monter la piété. Obligation en or. Donc, je me suis converti basque au début avec le prestige de mon mariage, rappelez-vous. Je veux l'appeler comme moi, je gagnerai 15 d'opinion avec elle, je pense que je peux accepter ça. Le nom n'est pas très important. Ok, donc là j'ai chopé pas mal de. Ouais, je suis monté à 1200, je suis passé à un niveau en plus. Ça c'est intéressant. Et même pas mes bourguins. Donc lui il me révoque le titre, mais il n'a pas la puissance militaire de me l'enlever. Et je pense que si je gagne, en plus, je peux le dégager. Ok, ça, on s'en fout. Oh, ça, c'est complètement ouf. Vous vous rendez compte, ça, c'est les événements de voyage. Et ça, je les trouve malades. Genre, on chope poète sur un truc, quoi. Poète, c'est ouf, hein. Par niveau de gloire, je gagne plus 5. Je peux gagner plus 5 de diplomatie. On perd du stress. Puis, il y a des événements aussi avec. Je crois que si je gagne. Concède un motif de révocation. Le tuque est déposé, mais il sera déposé à la faveur de qui? De son successeur, du coup. Son successeur, c'est lui. Et ça, c'est un truc que je sais pas, donc on va le découvrir. S'il est déposé et que c'est son successeur, j'aurai un lich qui est beaucoup plus fort. Et ça m'intéresse pas. Putain, on a perdu. Ah, c'est le bourgeste, ok, on s'en fout. Ah, et ça, c'est fort. Ça, c'est la feature forte des catholiques. C'est que je peux demander un duché. Donc, par exemple, ce que j'avais fait, c'est que j'avais carrément demandé le royaume de Bretagne dans ma game précédente. Et j'ai récupéré la Bretagne comme ça. Mais en fait, là. Ah, ouais, mais je suis pas souvent en ligne. Je suis pas souvent en ligne. Et là, on peut récupérer des gros trucs. Vous voyez, ça me fait récupérer tout ça, en fait. Je deviens le duc de tout ça. Lui, il est pas très fort. Hein. Il suffit d'une alliance pour le faire tomber. Et ça, c'est la feature complètement pétée de. Pareil, Toscane, il est pas très fort du tout. Et en plus, il est en guerre. Bon, il va perdre un vassau. Mais je pourrais faire ça hein, pour grossir. Et passer duc. Et donc, c'est. Moi, je trouve que ça, c'est une feature qui est assez intéressante. Un catholique et que vous avez pas avec les autres. Ok, je suis voyageur, aucun souci. C'était attendu. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il fasse une. Emmerich rejoint ma cour. Alors là, pareil, vous voyez, il est tout pourri, il a pas beaucoup de traits. Donc on peut le laisser mourir. C'est intéressant. Rentrez pas dans votre cour des mecs qui servent à rien. Ouais, je m'en fous. Hein, c'est l'autre? Ah oui, c'est les. Non, pourquoi il dit qu'il rejoint? Ok, les amants, on évite. Dans la majorité des cas, en catholique. On évite. Et puis, ouais, aussi pèlerinage, il monte très vite. Là encore, j'ai un peu fail, mais on est très vite à ça. Hein. Plus 20 des opinions fanatiques. Mec, dès que vous chopez un fanatique en dessous de vous, bah, c'est pété. Est-ce que je joue full chasseur cette gamme? Ah. Ah, il s'est allié avec son frère. Donc là, son frère pourrait venir me chercher. Largement, hein, il pourrait venir me chercher. Il faudrait vite que je finisse ça.
Ah, il a rejoint, c'est ce que je me doutais. Son frère va me vaporiser. Donc je vais devoir concéder là à 98%. Mais attendez, mais 99%? 98%, ça suffit pas pour... Non, il manque 10. Ce qu'on peut faire, c'est j'attends qu'il vienne vers moi. Non, ça fait pas monter. Donc on va faire une paix blanche. Ok. Il a toujours cette... Okay, ça disperse la guerre. Il a toujours cette possibilité de me... de s'occuper de moi. L'enfant, il est trop bien là. Il a toujours... Ok, ouais, ça t'est obligé. En fait, il a toujours cette possibilité... Ah, je suis trop bête. Non, c'est bon. Il a toujours cette possibilité d'essayer de me retirer mon titre d'ici que la trêve soit finie. Et puis là, il aura son frère cette fois. Donc, faut que je contracte une alliance qui est plus grosse que celle de son frère. Il est absolument insupportable, hein, ce personnage. Ah, je pourrais peut-être l'assassiner. Non, c'est son frère. Faudrait vraiment qu'il se marie. Là, faudrait qu'il se marie. Ouais, je possède tous les DLC. Il me semble qu'il m'en manque... Il manque des trucs d'ornementation. Qui sont pas forcément utiles en vrai. Genre, je crois que c'est le truc... L'Empire byzantin, un truc comme ça. Je pense qu'on va jouer full chasse, du coup, on va essayer de la stack up. On va la faire là. Attendez, s'il y a mon Lich qui vient, je pourrais peut-être essayer de l'assassiner. S'il est là. Si on lui met une bastos, on chope l'autre. Il est moins fort. On peut tenter, je pense que ça se tente. C'était pas... Je voulais pas forcément le faire, mais... Je suis à 23%. Mon lit, je vais le louper. Hein. J'ai 52% de chance de lui mettre une tête. Non, c'est en plus, il sait que je l'ai fait. Ah, ça a annulé la chasse, en plus. Ouais, c'est le risque. Est-ce que je peux la relancer? Non, je sais pas... Et ça, c'est 52% de chance, c'est horrible. Mais là, je sais pas comment je vais me débarrasser de lui. Il faudrait vraiment que l'autre fasse un enfant, en fait. Mais il semble pas vouloir se marier. Après, je peux essayer de le... Je peux essayer de le calmer. Ah putain, j'ai plus mon... Nouer un amitié, là? J'ai même pas vu, je noue tellement. Je noue tellement... Ah mais oui, parce qu'il est mort. Autant pour moi, c'est pour ça que je l'ai plus. Maréchal peut-être, du coup. Maréchal, maréchal. Mais voyez, dans une game speedrun un peu, il faudrait essayer de s'étendre très vite. Ce que je fais pas forcément. Là, une alliance avec le roi de France, ça serait fort. Pourquoi il... Quel crime j'ai fait? Ça, c'est un secret, personne ne le sait normalement. Pourquoi je demanderai pardon? Ah oui, ok, d'accord. Je demande pardon à son liege. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut essayer de faire une alliance avec lui en fait. Entre mon fils. Ah, il a rien à proposer, il a aucune fille qui est célibataire. Elle est jeune, sa reine? Ah, la 47, c'est cuit. Je contacterai une alliance au moment où je me fais attaquer, je pense pour l'instant ce sera forcément utile. Ouais, son frère est trop fort actuellement. Après le tuer, ça réduirait son nombre de troupes aussi. Je pense qu'on va quand même tenter de l'assassiner. Ça serait plus avantageux. Ouais, rébellion, enfin, c'est surtout toi qui te rebelle contre moi, je t'ai rien fait à part essayer de te tuer. Si j'accepte, j'ai en prison. Je me paye pas la rançon, je m'évade. Si je refuse pas en guerre contre lui, vas-y, on va partir en guerre contre lui une nouvelle fois. Est-ce qu'il a appelé son frère cette fois? Non, pas encore. On va essayer de le vaporiser pendant que son frère est pas dans le conflit. Ok, son frère est déjà dans le conflit. Donc il faut nous trouver une alliance assez forte. On n'a pas le choix.
C'est là où le jeu est buggé. Je devrais pas pouvoir contacter une alliance et l'appeler sans le prestige. Mais vu qu'on peut le faire, on va le faire. Il en faut quelqu'un qui soit pas trop loin. Ah bah lui, il est très près. On pourra casser cette alliance hein, et en recontacter une autre derrière. Et là, s'il faut, c'est que je fuis. Ok, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Non, 75 de prestige, je peux les payer en plus. Allez, viens, parce qu'il y a des méchants chez moi. Ils sont très méchants, les deux frères. Ils sont frères, hein, de tête. Ils sont frères. Il y a les deux frères. Je viens chez toi. Je viens chez toi, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'es déjà en guerre, d'accord, j'ai pas vu. J'aurais pas dû t'écouter. Ça va très mal se passer. Attendez, si, il faut que je vois. 80% grand troupeau de bovins. C'est Béarn, ouais, il faut. Attendez, si je gagne, il est déposé. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu viens m'aider, Jean-Jacques? Ta guerre n'est pas finie pourtant. Je viendrais même bien t'aider dans ta guerre pour qu'on. Tu viens ou pas? Pas ça va être suffisant en plus en nombre de troupes, ça va être tout juste. Quelle enceinte, faudrait une fille. Faites pas comme moi, mettez pas égalité des sexes. Mettez soit homme, soit femme, mais pas d'égalité des sexes. Prochain, on change. Alors, si vous pouvez lâcher le. Lâcher pour le reprendre, ça serait absolument super. Je sais pas si ça vaut le coup de le battre ici. Au moins 52 quand même. Hein. On va reprendre notre fort. 3 mois, c'est parfait. Délicat là. Hein. Lui, il est chez lui, c'est ça. Le gameplay est là. Hein. Gameplay, c'est aller chercher chez lui. Ok, je suis ami avec lui. Maintenant, on peut retenter avec Pierre là. Pierre. Pire. Non, 898. Ah oui, c'est pas tout de suite. Hein. Avec ma femme. Pas comment ça se passe si je récupère, je passe en positif ou pas? Non, même pas. Allez, go. En fait, le mieux, ce serait qu'il se tape un mur, en fait. Non, non, pars pas, frère. Pars pas. Ça vaut pas le coup. Pire, tu perds ton comté. T'en fous de ton développement. Oh non, un autre fils. Oh bah là, c'est la catastrophe. On gérera ça un peu plus tard. Contrôle, je suis repassé à zéro, comme vous le voyez. Je vais perdre beaucoup de troupes en soi. Mais je pense que je récupère ce comté, c'est fini. Je pense que c'est fini. Ah oui, j'aimerais bien être en conflit avec lui. Parce que je vais le broyer là. Donc c'est ça d'avoir un liche qui vous déteste, vous êtes en guerre contre lui. 90%. Intéressant. Mais il est faible, hein. C'est intéressant de le maintenir faible. Il est bien plus faible que son père. Hein. Mais si je le capture, c'est bon. Enfant charmeur. On va jouer un diplo, je pense. 77%. Je pense qu'il faut aller chercher l'autre pour être sûr. Même s'il récupère ça, ça va pas le faire monter beaucoup. Ah, j'aurais pas dû vivre, j'aurais dû le laisser finir. Mon avis, il y aura confrontation de toute façon. Voir, je vais chercher la peste de Bretagne. Non, elle est plus, mais. Ah, ça va peut-être le faire sortir de la guerre s'il meurt, non? Ouais, 26%. De toute façon, il y a aucune chance qu'il meure. Ça, c'est 6 mois, non? Ouais, 6 mois. Iconoclaste, c'était une très bonne religion. Elle a un iconisme qui est vraiment très fort. Six pour cent, c'est pas assez, je pense. On recommence. Là, il va le finir avant moi, non?
Je le vois bien finir avant moi en fait. 3 mois et moi 4 mois. Ok, il faut y aller. Faut que je perde ce comté. Il faut plus faire une paix. C'est quel DLC qui te fait choisir le trait de ton enfant? Il me semble que c'est Warden quelque chose. Alors là, il prend pas en considération l'armée alliée. Hein. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Waouh. Ils sont plus nombreux. Hein. Je pense que cette bataille me donne la victoire. Hein. Et donc, on va voir s'il est déposé. Qu'est-ce qui devient en fait en soi? Et qui devient son. Je pense que c'est son frère. Donc, ça, c'est mon rival. Ok. Ah non, je deviens libre. Ok. Je deviens libre. Le comte. Ah non, je suis sous son frère. Et lui, donc, je peux lui exiger un poste au conseil. Et s'il meurt, c'est l'autre qui me déteste qui revient au pouvoir. J'ai gagné. Par contre, j'ai gagné 50. J'ai gagné 50 de. 50 de légitimité. Ce qui me monte à 2. Et donc, lui, il possède les traits de son frère. Hein. C'est ça? Ouais, c'est ça. Il a tout récupéré. Et je peux enseigner. Et vous voyez là, je peux récupérer le royaume d'Italie. Si j'avais un allié assez fort, je pourrais récupérer tout le royaume d'Italie. Bon, après, faut le tenir. Hein. Faut vraiment le tenir. Ouais, son enfant peut influer, c'est très. Après, là, le problème, c'est que j'ai deux fils. Faut vraiment que je gère ça. Ça, c'est nul. Ça, c'est mieux. Légèrement, mais quand même mieux. Là, on est embêté quand même. Hein. Il y a déjà un pâturage. Ça, c'est une chance de ouf. C'est le meilleur bâtiment d'Early. Là, il y a déjà un hameau niveau 2. Là, vous voyez, une consolidation autour de nos comtés. Et je voulais voir, là, la basque, elle est vraiment énorme. Elle est trop grosse, en fait. Il faut la diverger un moment. De pas beaucoup, mais il faudrait la diverger. Oui, ça. En fait, on pourrait la diverger, mais genre pas grand-chose. Juste changer ça pour architecte des jardins, trop cher. J'avais dit que chevalerie avait été réduit normalement. Chevalerie est dans guerre. Non, normalement, il est dans rituel peut-être. Mais si on arrive à choper juste chevalerie là, sociale du coup. Je suis passé devant 3 fois, non? Ça m'arrive souvent là, 4000. Il faudrait 4500. Je fais un changement comme ça. Et j'ai 3 des bons traits. Et après, je maintiens dans mon truc. Il me faudrait vraiment beaucoup de prestige. Qu'est-ce qui fait gagner du prestige? Il me semble que. Oh, bah la chasse en fait gagner, on va en faire une. Ah, mais j'ai pas les thunes, de toute façon, je peux pas acheter ça. 45. Attendez, et si je fais ça chez moi? Non. On va attendre un peu. Mais ouais, il me déteste lui, du coup, non? Il me déteste à fond. Tentative de meurtre contre la famille. Ouais, j'ai cherché aussi. Hein. On pourrait tenter une amitié avec lui, non? 8%. On pourrait l'influencer. 75%. On pourrait remonter en influençant comme un ouf. Et après, je tente une amitié avec lui. Une fois qu'il a un enfant, je l'assassine. Enfin, un peu, je tente de t'aimer et si j'y arrive pas, je te mets une tête. Ou si je te mets une tête et j'y arrive pas. Et ça, c'est qu'un seul comté, hein. Ouais, c'est qu'un seul comté. Non, c'est un duché. Ah oui, il y aurait ce duché là à récupérer au pire. 1300, je pense qu'on pète. On pourrait faire ça. Ça me sortirait de la dépense de lui, je serais directement sous le roi de France. Ah, intéressant. On pourrait jouer avec ça, mais il n'y a rien qui me fait monter mon stress particulièrement. On va plutôt prendre ça. Ah oui, il y avait méritocratie aussi, mais je suis pas un très gros fan. On va prendre celui-là et on va aller chercher. Prophète, on change la religion. Non. Pas un chocolat. Possible. Possible. Non, mais là, ça serait super. Attends, j'ai une revendication sur lui. Déjà, aller chercher ça. Mais je pourrais aller chercher le comté du. Enfin, le duché du voir en est. Ça me sortirait pas de. Oh, une maître sage. Je suis le maître chasse du duc. Alors là, est-ce que ça me met des bonus? Ça, j'ai jamais vu par contre.
J'ai un prisonnier. Ok, ça me donne de la prouesse. Super, merci. J'en ai rien à foutre. Yeah, on a capturé un mec. On va le récupérer. Il fera un point. Le roi Charles est attaqué par le duc Bernard. Le duc Bernard, il veut quoi? Duc Bernard, il va bien foutre la merde, j'ai l'impression. Ses armées qui vont passer sur les miennes. Garde l'indépendance. Calme-toi, duc Bernard. Oh, il est rejoint par le duc de Gascogne. J'espère qu'il va bien lui défoncer sa gueule, le roi de France. Ok, là, ce qu'on... Ah ouais, non, j'ai pas de thune. J'allais dire, on aurait pu prendre des catapultes. Ça aurait été vachement intéressant. Oh, mais là, il y en a pour 6 mois, non? 10 mois. Bo, 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 bo. En fait, ça nous arrange même pas qu'il meure, en fait. En vrai, ça nous arrange pas. Ce serait l'autre frère qui nous déteste, qui récupère. Vas-y, on va prendre le Dauphiné, du coup. Et on va le récupérer juste derrière. Je récupère ça et on y va. Mais je me demande, du coup, j'ai une revendication forte dessus? Ouais, elle est solide. Du coup, si lui, il meurt... Ouais, c'est le duc, là. Ah, mais non, il est sous lui. Merde, il est pas sous mon régent. Ah, merde, 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 merde. Non, c'était une connerie, ça. Si j'attaque lui, en fait, c'est pas lui que j'attaque, c'est lui. Et c'est un autre bonhomme, ça. C'est pas mon dirigeant, ça me fait sortir du royaume. Et pour sortir du royaume, il faut que je me batte contre l'autre. Donc ouais, c'est cuit, je suis trop con. C'est pareil avec l'Italie. Non, mais l'Italie, ouais, l'Italie, on peut plus, en fait. Ok, ça fait trois comtés. Celui-là est moins bien de tête. Ouais, il est tout pourri. Ah, il y a une petite carrière, hein, ça fait de la thune. Juste le contrôle qui me donne envie de vomir, mais ça c'est relou. C'est pas grave, lui il remonte, lui il a 100%. Alain de Lyon. Ouh. Il a des beaux traits, Alain de Lyon. Alain de Lyon, il pourrait remplacer potentiellement lui. Ah ouais, c'est un bourgeste aussi. Je me fais kiffer à Alain de Lyon à 80 ans. La bonne santé. Hop, il va partir tout de suite déjà. Putain. Le mec, il voulait partir 10 minutes après, quoi. Installez-vous, prenez vos affaires, partez. Ah bon. Ouais, voilà, faut que j'attaque Lothaire en fait. Il me faut une alliance avec 6000 mecs. Alain de Lyon, parfait comme nom. Ouais, hey, salut. Alain de Lyon. Venant un peu de vers Lyon, ça me fait un peu marrer. Je viens exactement de... Alors, je viens de... Je pense que la ville la plus près de l'endroit que je viens, elle est... Valence, non, Vienne. Ça doit être Vienne. Non, Paladru, c'est complètement là. Je viens de juste en dessous du lac de Paladru. Donc je viendrai de là, là. Je pense que j'habite par là, dans la vraie vie. J'habitais par là, dans la vraie vie. Ok, chasse. Non, on va faire un festin. What, 105 de base? Ouais, mais non, mais toi, hein, 42. Et... Ouais, là, pareil, on peut assassiner quelqu'un, il me semble. Hein. Ah, putain, je pourrais essayer de louer l'amitié. Se détendre ne me sert absolument à rien. On retente sur ma femme? Mec, il a insisté, tu seras mon ami. T'arrêtes de me pomper des fils. Euh, 71% de chance de réussir ou je gagne du prestige. Vas-y, on va tenter. Yes, nice. Oh. Le prestige, on cherche du prestige hein, pour réformer la culture. Encore du prestige. Ouais, ça pompe bien le prestige là. Peut-être en choper encore une grande claque à la fin, non? 115. Ok. J'ai chopé Festoyer. Un peu d'intrigue. Oh, Alain de Lyon. Alain de Lyon, bien en forme. Il survit, Alain de Lyon.
Je peux le réclamer? Mais pourquoi je peux le réclamer? C'est quoi déjà ça? Ah, je contrôle la majorité, d'accord. C'est moi le plus gros en fait. Il va essayer de me l'enlever, hein. Paul, ok, Paul. Paul, il obtient un trait. Paul, il a 40 ans. Mec, il avait qu'un trait avant ça. Érudition. Est-ce qu'on va chercher à apprendre sur le tas ou prophète en premier? Je pense qu'on va aller chercher à apprendre sur le tas. Est-ce que Pierre veut pas devenir mon ami après tout ce temps? Non, on a dit 98, hein. Ouais, on a dit 98. Là, on n'a plus d'amitié en cours. Bon. Ah, mais c'est un Swain, donc ça marchera pas. Je peux pas arrêter de me détester. Tu veux pas me... J'ai juste tenté de tuer ton frère, non? Ouais, ton frère. Mais là, en fait, il serait facilement assassinable. Toi, t'as pas de fils toujours? Ah si, ça y est, nice. Non, mais maintenant, faut mieux qu'il meure, en fait. Donc, on rechange d'avis. Insupportable. Ah ouais, mais j'ai arrêté le complot, donc je peux pas le relancer, non? Ah, il est là, je peux pas le relancer. Ça, c'est toujours très faible. 34%, vas-y, j'ai envie de le tenter. Ouais, ça c'est bien. Est-ce que je fais chez une chasse ou pas? Ah, je me tâte. C'est dur à décider. Ah, je peux demander de l'or, donc oui. On va faire une chasse. Ouais, j'assassine pas cette fois, je veux pas la foirer. J'augmente un peu la probabilité. On va pas prendre un truc trop haut, je veux vraiment réussir. Bientôt. Ok, maréchal, maître de chasse, chevalier. 40 ans, j'espère que tu vas survivre. Ouais, là, ça fait diminuer en fait. 40%. 40% sur un truc nul là. On augmente légèrement l'expérience, probabilité qui augmente. Et après ça fait diminuer. Oh, je deviens propriétaire de fleurs. Fleurs pressées. Alors, fécondité, c'est de la merde. 300 d'intrigue, on s'en fout. Je sais pas combien ça va me donner de prestige. Vas-y, on va le choper dans un coin. 56%, c'est vraiment faible, hein. Je m'en fous de mourir sur une chasse, ça m'est déjà arrivé, hein. Ah, attendez. Soit je suis là-bas, je gagne de l'expérience. Soit j'ai de l'expérience, je réussis, je baisse, mais je gagne moins d'expérience. Ah, j'ai de la chance de gagner un peu de prestige, je vais les prendre. Ah, je l'ai loupé! Non, mais quel nul! Ah non, je l'ai, la queue du renard, j'ai chopé un autre truc, d'accord. Non, non, on prend la queue du renard par contre. C'est de la merde, mais sans doute que c'est utile. Là, ma question c'est. Du coup, mon expérience de chasseur, elle a dû prendre une belle baffe, non? Non, même pas. Pas mal. On peut se retaper un pèlerinage. Pour les spammer, ces events, de tour en tournée maintenant. Ils sont très très forts. Fanatisme, encore une fois. Là, ça fait un long chemin. Il a appris le grec, donc il parle double langue, ce qui est intéressant. Ah, il a une fille. Ah oui, il a une fiancée, je suppose. Putain, faut que je fasse gaffe. Qui c'est qui l'élève, lui? Ah, c'est moi. Il y a 54 minutes. Je vais peut-être pousser 10 minutes de plus. Et je tenterai de faire le prochain épisode demain. Ou ce soir, peut-être. Mais. Putain, des casse-couilles, là. Ah ouais, alors ça, c'est pas mal. Soit tu chopes le mec, soit tu chopes des thunes. Il pue. Je vais prendre les thunes. 15, ça rembourse une partie du voyage. Y a rien qui rembourse le voyage, mais. Vous avez compris. Ok, ça c'est nice. Fanatisme. Là, ce qu'on cherche, c'est à monter ça en fait à fond. Hein.
Non, on s'en fout. On peut choper Alvar, 54%, il sert absolument à rien. Donc on s'en fout. Ah! Putain, mais Alain, décidément, personne ne veut le faire vivre, hein. Allez, casse-toi. Prends tes affaires et casse-toi. Le mec est allé chez moi, jeune homme machin. Je pense qu'on prend lui même s'il a 5. C'est peut-être le moins important pour moi, le chancelier. Non, ça c'est de la merde. Putain, il est dégueulasse le pèlerinage, hein. À 25 jours de la fin. Même pas niveau 1. C'est une catastrophe. Il est même pas à niveau 1. Ouais, c'est très faible. C'était pas ouf. C'était pas ouf ouf. Sucé par le moustique pendant 28 ans. Pénalité, monsieur. On s'en fout de lui. Pourquoi t'es à poil, Jean-Jacques? Pourquoi t'es à poil? J'exige que tu te rhabilles. Hein. Ton lit, je l'exige. Ça me bat les couilles. Hein. Pourrait grossir encore en le grignotant de plus en plus. Ah, il est pas mal. Nice, chevalier. On pourrait peut-être grignoter lui. Se compter de Saint-Bernard ou celui de Labor. Labor, ça nous rapprocherait de Navarre, je pense que ça serait mieux. Attendez. Non, ouais, c'est forcément un comte, donc il serait extérieur. Donc je suis pas dit que ça sert à rien d'inviter les gens. Il est pas enceinte, elle? Putain, deux fils, mais qu'est-ce que j'en fous? Qu'est-ce que j'en fous de deux fils? Après, un accident de chasse est si vite arrivé. Putain, mais là, on n'est même pas à 100%. Ok. Il veut pas être ami. Tant pis pour lui. Lui, c'est mon ami. Pourquoi t'es à poil, Jean-Jacques? Je comprends pas pourquoi il est nu. Strictement aucun sens pour moi. Lui, il est jeune, c'est bien, il a 40 ans. Il est un peu con, mais. C'est en train de même pas les chevaliers. Ah non, mais c'est une cata. Du coup, mon bâtiment est niveau 2 là. Ça, c'est nice. Basque à 100%. Ouais, c'est pas grave qu'il y ait une clame sur moi. Ouais, ça me... Enfin, ça me fait pas peur. C'est vraiment dégueulasse. Est-ce qu'il monte tout seul? Ouais, très peu. Proposer une alliance avec lui? Non, parce que... Ah si, c'est l'autre que j'attaque. Ouais, si tu veux. Bah oui, je suis accepté. Si je le coupe, il viendra m'aider. On va le découvrir. Mais je le chope. Si je le chope, je le... Pourquoi j'ai plus de chance? Ah, il a plus de soldats, mais tous les autres avantages sont à moi. Mais oui, c'est pas possible. Ça, c'est perdre des chevaliers de merde, ça. C'est ridicule. Eh ouais, on perd un maître espion pourri là. Le 0, toi, jamais de la vie. 9, 9. 7, 7, 6. Il me faut un maître espion. Il me faut un maître espion de ouf. Tu l'es, toi, de ouf. T'as chier, toi. Courtisane, es-tu mariée? Oui. Courtisane. Oui. Il a 11.
Pas ignoble, il est pas ouf, mais il est pas ignoble. Y'a pas une dame là? Les dames. Que faites-vous? Putain, mes dames sont toutes mariées. Je suis allé trop fort sur les mariages. Bon, bah on va prendre le prisonnier. Hein. Acceptes-tu de venir? Le but du jeu, c'est. Bah, ça dépend le but que tu te fixes, hein, pour être honnête. Bon, le but que je me fixe là, c'est. C'est juste de grossir un peu. Y a pas de. 6% de piété, c'est énorme. Y a pas de. Soit tu grossis, soit tu essaies d'avoir un empire mieux centralisé. C'est toi qui décides, en fait, quel est ton but. Généralement, les gens essaient de grossir. Ah oui, j'en ai chopé deux d'un coup. Méthodologique. En soi, d'habitude, je suis dans des trucs où je grossis vraiment, mais là, ce qui m'intéresse le plus, c'est juste un stream d'une heure, donc le but, c'était vraiment de faire une vidéo YouTube. C'est un peu pour montrer du gameplay, quoi. Montrer ce que je fais, pourquoi je le fais. Comment je perds des batailles en pensant que je voulais gagner un compte de. Ok, donc on est amis avec lui. Là, je peux devenir meilleur ami après. Ah non, là, il y a une. Non, je peux quelque part. Je sais pas comment on fait. Ah oui, faire un serment d'amitié. Et on obtient. Ouais. Oh l'Empire romain, non. Ça c'est relou ça. Après c'est bien qu'ils se battent entre eux, hein. Ça me permet peut-être de devenir le chef de foi, de prendre des décisions du coup. Il est balèze. Bah non, il a plus rien. Je crois que c'est le plus gros en fait pour le chef de foi. Je vais attacher mes troupes aux siennes. Rien à foutre, je vais pas dépenser d'argent. Enfin, je m'en sors bien en prestige d'habitude, j'ai un peu plus de mal. Et on va les laisser se battre là. Donc on a 1h02 de vidéo. Moi, je vais encore y laisser bien 5 minutes. Ça sera à peu près le format. Et là on chope un truc sur la bourre, donc on va le prendre. Ça fait un peu de thune, mais on va aller chercher la bourre après. Là normalement on a participé à la bataille. Des fois on arrive à faire des prisonniers comme ça. Voilà. Ainsi soit-il, et normalement j'ai gagné un peu de prestige. Et donc, vous obtenez un amant fort contre le roi? Ah, parce que je suis allé l'aider. Ok, bon, je vais rechanter. Hein. On va récupérer la thune, exiger un paiement de 50. Ok, donc lui il peut choper cynique, humble ou content. On va garder cynique. Et donc là, ça nous permet de faire la guerre à lui qui normalement n'a pas d'allié. On va laisser passer juste. Ok, merci. Un nouveau secret qui peut être utile. On va le faire chanter. Merci les 50. Donc ça c'est la politique de. Merci Pipin. Pépin. Pimpin. Pimpin. Pépin. Oh tu es cathare? Non, je suis toujours catholique. Si je change de religion, je pense que c'est pour une en faire une moi-même. Ce que j'aime beaucoup faire. Mais ce serait intéressant dans le gameplay juste. Ah oui, des gibiers. Du coup, on peut organiser une autre chasse ou pas? Trop tôt? Ah non, pas trop tôt, apparemment. Oh là là. Qu'est-ce que ça, c'est le genre d'event. Et ces petits coquins, hein, j'ai envie de dire. Louche d'ailleurs, la traduction. Chasse. Allez, allons faire une chasse normale. Ici. Faudrait juste que je la set up en abattre une bête.
Montons un peu la chasse. J'aime bien les hérésies catholiques. J'aime bien mettre les femmes au pouvoir aussi, mais je pense qu'il faut pas mettre de mixité. C'est soit les femmes, soit les hommes, mais pas les deux. Ouais, je prends le risque, hein. Je vais choper quelque chose d'un peu plus gros. 44% pour moi, c'est un 50%. En plus, on va le monter à 50%. Attention! Traquons la bête. Cette fois, j'espère que ça va mieux se passer que tout à l'heure. Ah, mais le loup, il va jamais se montrer. 90, 88%. 4 et 88. Je monte à 4500 de prestige, je vous rappelle. J'abattrai moi-même, j'ai 20% de chance de mourir. C'est trop élevé. 15%, on s'en fout. Ok, on va prendre celui-là cette fois. Et voilà, travail bien fait, j'ai réussi. Merci d'être passé. Et normalement, ça, j'en garderai un bon souvenir. Donc j'ai chopé des crocs du loup. 5% d'efficacité des chevaliers, c'est pas horrible, hein. J'ai bien aperçu, on sait qu'il y a un loup en fait, hein. À Bigorre, on a obtenu que 3 en chasse. Ah, ça, je comprends pas comment tu peux obtenir si peu sur une chasse que tu as réussi, mais. Soit. Dirigeant féminin que tu prends dans toutes les cultures. Ouais, mais ça, c'est pas grave, vu que c'est. Tu peux le changer dans la culture, hein. Vu que tu es censé réformer ta culture. C'est pas du tout un souci. Et. On va bientôt donc arrêter la vidéo. Je pense qu'on va finir cette guerre. On va arrêter. Et je reprendrai sûrement ce soir, sinon demain matin. Ouh, le count. Le count. On va lui piquer ses thunes, même si ça fait chuter ça. C'est pas grave, puisqu'on va prendre le compter quelques secondes après. On va faire des guerres un peu plus d'éclairs. C'est un souci, mais là, non. Qu'est-ce qu'on a en prison? J'hésitais, personne. Les geôles sont vides, monsieur. Les geôles sont vides. C'est pas horrible. C'est pas horrible, dirigeant en soi. Et donc là, ça me met à 4 sur 6. Donc là, tu dois faire 1 et 0. Putain, faut vraiment que ça remonte vite. 0,25, 0,10. Ah, c'est dégueulasse le contrôle, hein. Donc voilà. Hop, non, faudrait peut-être que tu te mettes là du coup plutôt. T'as fait déjà un bon travail globalement. Hein. Mais voilà, je suis beaucoup plus gros que mon. Lui, il a combien? Il a un duché, deux duchés et trois comtés. Et moi, j'en ai quatre. Le problème, c'est que le contrôle de celui-là et celui-là sont vraiment très bas. Par contre, là, on a déjà un bon développement à 10, hein, ce qui est absolument super. Ce comté en soi, il est pas horrible là, à l'heure actuelle. Il ramène quand même 2,41 d'impôts. Peut-être le monter ça. Il faut un truc. Ouais, il faut donjon, c'est ça? Ouais, il faut rempart. Ça fait vraiment plus. Ouais, les nouveaux systèmes de culture, ils sont assez forts. Normalement, bon, je vais publier cette vidéo en premier. Là, prochaine vidéo, on va parler des cultures avec la meilleure culture. Je vais pas parler de comment les réformer ou faire des hybrides. J'ai déjà abordé ce sujet, mais je vais faire une tier list. Et donc, ça c'est intéressant. Et donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, on a une évolution qui est pas énorme, hein, qui est pas très très rapide. Mais en soi, bah, je vous montre un peu comment améliorer son perso. Vous voyez, le perso, il n'était pas du tout comme ça au début. Mais là, en plus, j'ai pas encore pas 25% de ce qu'elle, elle donne. Voilà, le perso était dégueu au début. Il a ça, il a chopé Poète. Il a Pèlerin qui est quasiment niveau 1. J'ai hâte de le mettre niveau 2, niveau 3 d'ailleurs, c'est complètement ouf avec de la piété en plus. On est passé basque, on va monter à 4500 de prestige et après on va la diverger, enfin on va pas la diverger, on va la réformer. Les diverger du coup? Ouais, c'est la diverger. Et on va changer la religion après, et puis après on avancera un tout petit peu plus vite. Putain, mon Gu encore en vie, vous avez vu? Ouais, parce que c'est le chef de la merci maintenant lui. Je pense qu'il a fait un. Il a fait une guerre de. Il a fait une guerre de transport là, quand je sais plus comment ils appellent ça. Bref. Donc c'est pas trop mal, hein, Alberne. Il est gros, il est beau. Et vous retrouverez donc cette vidéo. Soit sur la chaîne principale, soit sur la secondaire. Vous retrouverez peut-être la première sur la principale et les autres sur la secondaire. Bah, merci à tous d'être passés, en tout cas, c'était cool. Et je vous souhaite à tous une super bonne journée. Qu'est-ce qu'on fait en sauvegarde? Ouais, on sauvegarde quand même. Je vais mettre vidéo stream. Et donc voilà. Aucun souci, merci à vous d'être passé. Et bonne journée à tous.